Eh ben alors c'est reparti du coup. Alors hop. C'est reparti. Donc, viens d'entrer dans la nouvelle ville. On va récupérer des munitions parce qu'à mon avis je suis un peu dans la dèche après m'être frappé tous les mecs bizarres. Il fait dodo. Et du coup, pour répondre à vos questions, le TGS s'est très très bien passé. C'était vraiment super de croiser pas mal de personnes et d'avoir de super bons retours même de personnes de la presse. Là, on a eu 2-3 articles. Enfin, c'est super encourageant, quoi. Donc, bah, ça motive à fond. Je Hey, suis une personne on dirait mon rationnelle. tonton. Je crois pas à toutes ces conneries mystiques. Donc j'ai passé que ça m'a pas Donc, non, intéressé. c'était vraiment sympa. Alors le commandant a déclaré qu'il s'agissait là d'une Je bande vais penser à l'infiltration. de froussards qui aillent au diable. Promis. C'est ce qu'il a dit. Alors, là, j'ai C'est fait le plus tour. tard. Ne pas C'est tout fermé, hop. préparer. Et une vieille Grande lampe fouille, torche. grande Ok. fouille. Aucun cadavre. Rien. Les Là, habitants ont commencé à c'est perdre l'entrée. leur froc. Les deux autres escouades ont disparu. Je vais faire de Ils l'infiltration, ont passé une promis. tête de sécurité sous 300 Enfin, mètres. tout à l'heure c'était pas évident quand même l'infiltration, enfin la dernière fois. Bon, Non, on ne j'ai tout peut pas aller piqué. à Anza. Alors, Après tout, la ville est déjà morte. c'est mignon, j'ai mis des petites abat-jour. C'est mon ombre ça? Wouah, c'est bizarre. Si quelqu'un me reçoit, répondez, cette petite Oh, mousse là, pourrie je vient n'ai de pas se besoin barrer. d'infiltrer, hein, bref, c'est bon. J'étais à Nsergar hier. Ouais, j'ai fait Quoi tort. comme Pourquoi il regard? fait ça? Détourne-moi Ah. dessus si ça peut te faire. Non, laisse-moi J'ai tranquille. rendez-vous avec elle aujourd'hui après ma garde. S'il vous plaît, maintenant. hop là. Elle m'a promis d'aller cueillir des champignons avec moi. Ouais. Sale bâtard. Si quelqu'un me J'adore les reçoit, dialogues de ce genre de arrache-toi jeu. cette enfoirée. Salut, salut Redric, ça va? Une fois, j'ai réussi à arracher Alors, la y a rien tête à d'une piquer par vieille en là. situation. Toi, tu dors, tu n'as pas besoin. Tout est calme, Igor J'étais encore Vladimirovitch. hors de la base quand Il y a bien une Tu raison nous as pour manqué au cela. TGS, Ces Redric. chars étaient protégés contre les radiations. Alors les gars ont On s'en a décidé rien que à le foutre, on se secours était casse. dirigé vers l'est. Ils ont Hop, fait j'ai aussi piqué un truc, appel je à sais pas ce que l'aide c'est, des mais je l'ai pompiers, piqué. où sont les calculateurs? Le chef est occupé, reviens plus tard. Estimer la hausse et Eh faisant ben tourner ouais. le plein lorsqu'il le faut. Ça te tenterait un peu d'alcool de Et puis, contrebande? Au bon milieu, pas Ok, trop à pas de l'envers. force brute. Ils mettent des conducteurs de train encore? Des munitions! Comme à la Ils laissent maison. traîner un peu leur saloperie un peu partout, hein, les gars. Situation, c'était pas au bon endroit. Ni l'un ni l'autre. Il a dit, Excusez-moi, je suis personne. encore un petit peu Ah, malade. un vrai petit soldat comme toi. Mais Ouais. j'ai à peu près récupéré la semaine Tu dernière parce que sais, c'était. avec les vampires en sujet, tu sais qu'on verra le bon bout. Alors, je me suis pas ennuyé. Oui, donc comme je vous disais, je voulais tester Rainbow Six. Et j'y ai joué, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, le jeu est propre, hein, y a pas de souci. Bon, quelques bugs liés à l'alpha, c'est normal, hein, le jeu est pas terminé. Par contre, c'est bah, déjà les gens. Les gens qui jouent, ils ont. Enfin, ils jouent pas à la Rainbow Six. J'avais joué à Broken Shield, à Athena Sword, enfin, à l'époque du bon Rainbow Six. Des petits cochons! Et bon, là, les mecs, ça joue, et là c'est très très kikoulol au niveau du jeu. Donc, enfin, c'est pas agréable. Les mecs se calent tous dans une pièce, il n'y a aucune stratégie, ils se mettent tous autour de l'otage et ils campent. Enfin, c'est. Alors. Ceux qui en ressortent disent qu'il n'y a rien de suspect dans le tunnel, qu'il est calme et Ok. vide. Il n'y a pas d'embranchement et c'est impossible de se perdre. Mais si une Bon, on va personne qui rester comme entend ça, hein. parler du tunnel en termes rassurants décide de s'y aventurer seule, elle disparaît On va rester sans comme ça. laisser de traces. Les stalkers disent que tu ne pourras jamais retrouver le tunnel. Alors. Les étoiles au sommet des tours sont en retard. Mais ouais, je suis assez déçu, quoi. Non, je vais rien acheter pour l'instant. Je vais rien acheter, on verra. Je suis pas très gestion. C'est un de mes défauts en fait dans ce genre de jeu, c'est que au final, je suis devenu assez casual. Ce genre de truc, j'aime bien en fait
Moi, je suis radin dans les jeux vidéo parce que j'ai pas envie d'acheter les trucs, j'ai envie que le jeu me les donne ou de les trouver. Alors par contre, je suis tombé et dans Heroes of the Storm. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai ouvert un truc. Ouais, non, je vais pas... Non. Et dans Heroes of the Storm et dans Hearthstone, c'est plutôt marrant. Je pensais pas m'amuser autant sur Hearthstone. Le passage n'est ouvert qu'aux résidents et travailleurs locaux. Alors, il te faut deux... Ah, il te faut deux filtres. D'accord, bon, ok. Puis moi, j'achète deux filtres. Alors, tac, tac. Hop, entrez. Super tarif. Ah ouais, c'est trop cool. T'es pas le bienvenu ici. Pourquoi? Bon, je vais aller revoir le copain. Pierre en fraternité, c'est quoi? Bah certainement, alors tu vas pas aimer jouer avec moi parce que je sais pas jouer. Oh bah tu m'emmerdes toi. Alors. J'aimerais bien me barrer. Ah mais tu dors plus toi? Alors... D'accord, c'est du Baldur's Gate like. D'accord, ça fait... Ouais, ça... J'avais joué à l'époque à Baldur's Gate, mais ça, je sais pas si je lui remettrai un jour. Y'a rien à acheter là, y'a rien à faire. Mais il est où Bourbon? Bourbon! Kikinou, t'es où? Je sais même pas quel gueule est là Bourbon. Ça c'est cool tiens, j'en veux un. Alors. Bah à peu près comme tous les jeux en ligne, hein, c'est rarement les meilleurs joueurs. T'as rien à faire ici. T'es une gueule, une sale gueule toi. Fiche le camp. Le chef est occupé pour l'instant. Le chef est occupé. S'il vous plaît, répondez. C'est Bourbon ça non? Si quelqu'un me reçoit. Allez. Personne. Si quelqu'un me reçoit, il est où? Ah et ses enfants. Pourquoi ça marchait pas avant? S'il vous plaît, répondez. J'ai déjà payé. Si quelqu'un me reçoit. Allez bon. Allez. Personne. Il dirige vers la porte. Si quelqu'un me reçoit. Ah, il va vers la porte. D'accord, pardon, je l'ai pas vu passer. Bourbon, Boubou. Non? C'est pas lui? Vous avez besoin de munitions? Demandez-moi. Je suis con ou quoi? Ah, dans l'autre sens, putain. Alors... Ouais, pas de porte. Ah d'accord. Ah je voyais pas une sortie là. Je voyais un coup de camp. Ouais, hein. Là, y'a rien à piquer. Je veux bien me mettre à la mitraille si vous voulez. Ah, c'est lui qui s'y met. Allez, on va faire un petit tour dehors. Il prend pas son arme. Allez, c'est parti. Merci les gars pour l'aide. Merci. Bonne chance les gars. Bon allez, on avance. Hop là. Allez. Ah. Grouille petit. Ah ben voilà. Ok. C'est... Tout ? Quand on avait émergé au milieu des ruines de Moscou, j'avais éprouvé à la fois de la crainte. Bon, c'était un chapitre assez court, même s'il était long parce que je suis une merde. Salut Caron ! Allez, avancez.
Nous voilà à la surface. Il faut mettre un masque de gaz. Fais très attention maintenant. Ok. Et voici un heureux habitant. Les stalkers, ces fichus démons remontent à la surface presque tous les jours. Ils cherchent de la ferraille, des munitions, tout ce qu'ils peuvent déterrer. Parfois, tu tombes sur des cadavres congelés comme des esquimaux. Des bonhommes de neige en guenille. Trop bien, des bonhommes de neige. Fouille bien la pièce, tu trouveras peut-être une autre cachette ici. Ouais, je veux surtout des munitions, les gars. Ils construisent souvent des cachettes à la surface. Il parle comme un vieux cowboy. Ça me rappelle ce. Et on n'aura pas de problème avec les réserves de munitions et de fils. Faut que vous allez m'avoir comme ça ou quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Ça pourrait nous être. Ouais, tu voyais. Oh putain, elle me fait peur souvent. Merci, mon pote. J'ai récupéré, je crois, un avion papier. Sympa. Ah, il va pas gaspiller les munitions pour ça. Hop. Ouh, je. Merci le bouton entrée intuitif là, parce que sinon j'allais me faire avoir par un piège. Hop, hop. Alors. Les caisses sont pas destructives? Ah, peut-être. Je sais pas ce que je voulais faire. Alors. Faut déjà changer le filtre. Ok, là y'a rien. On va voir si je peux aider. Non. Non, ils ont pas l'air destructibles les caisses. On va essayer celle-là. Non. Je peux pas les casser. L'ambiance est très réussie, je trouve, quand même. Alors, c'est pas aussi flippant qu'un Outlast. Hein. Après, je pense pas que ça se veuille aussi flippant. Les portes qui ont pas de poignée, je peux pas les ouvrir, apparemment. Ta-da-da-da-da. De piège là. Hop, munitions. Marteau de la bestiole. Genre, je sais pas ce que c'est, ces espèces de petits téléphones là que je récupère. Allez. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Instant gaming, d'accord, c'est pour récupérer. Ouais, on y va. On va prendre ça plutôt, ça va être sympa. Atteindre le conduit d'aération par lequel on descendra à la station aride. Alors faut que je. On ira chacun de notre côté et je te donnerai mon AK, comme promis. Vous m'avez dit qu'il faudrait que je me concentre sur une seule arme. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu grogner. Que je me concentre sur une seule arme et que je vende le reste. Cache-toi, petit. Ouais, se planquer. Reste caché. Quand on sera dehors, si on tombe sur le monstre, rampe jusqu'à l'ouverture la plus proche. Ok. Certaines personnes les appellent démons, moi je les traite d'enfoirés. C'est pas mal aussi. C'est ça la ville mort. C'est très joli en tout cas. Très joli. Les petits effets de glace et tout, c'est. Ok. Ah ok, elle oublie. Ouais. Ah, c'était fait exprès. Marche pas dans les flaques. Tu serais irradié dans cette merde. C'était fait exprès. Ouf. Marche pas dans les flaques. Ok. C'était scripté. Ça va. Pour une fois, j'ai pas fait de la merde. Ok, shootgun. Ouais.
Attends, j'y gère. Alors, change la capsule. Ah, il faut vraiment gérer le truc, hein. Pas censé avoir froid. Oui, un petit peu. Normalement, je suis en train de me peler les miches, hein. Ouais, sauté. Non, mais dis. Pas de mission. Petite bestiole. Hop. On va fouiller le monsieur. Il n'y a rien à prendre. Le petit bureau qui sert à rien. J'imagine le mec qui a ce bureau là normalement, tu sais. Des fois il t'attaque pas, ok. Oh, je tire pas à tort et à travers non plus. Quand même. Là, je pense que j'ai été obligé de me le faire. Hein. Je pensais pas qu'il allait se barrer. Alors, voyons voir. Coffre-fort. Ah, si, il y avait la clé. Cool. Cool, cool. Eh ben, j'ai bien fait de venir par là. Et je reviens par là. Eh ben, c'est bien foutu. Oui, une grosse bubume par là. Une grosse bestiole. Je sais pas où elle est, mais elle fait du bruit. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Tiens, je les ai défoncés celle-là. Et il y en a encore un, c'est ça? Non, hein? Non, 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 non. Voilà, on va se coucher. Bon, ça va, si deux cartouches, pourtant, c'est vrai que ça leur fait pas mal. Elles ont juste besoin d'amour, ouais. Bon, c'est un peu 51 degrés, leur amour. Par contre, les capsules... Sauvez, ouais, sauvez-vous, ouais. Les capsules ont un peu la tendance à se barrer vite, hein. Il en manque un bout, lui. Il était coche en pâte. Alors. Ta case de gâteau. C'est tout flou. Les toilettes, il n'y a rien à récupérer. Petit à la chasse. C'était quoi ça? Alors, j'écoute mon compteur GGA, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir. Alors, j'ai pas de trucs à récupérer en descendant. Une barrette de rame ou un truc comme ça. Putain, en parlant de barrette de rame, j'ai été étonné, ça a vachement augmenté, quoi. Ouais, munitions. Non, je veux pas. Bon. C'est un truc de malade, parce que c'est devenu cher la rame, quoi. T'es pas censé baisser avec le temps, ce genre de truc? Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par là ou est-ce que je vais dans l'ascenseur? Ouais, c'est pas l'ascenseur. J'aime pas du tout ce bruit. Ah ben il y a des missions, j'ai pas fait passer là. Bien. Bien, j'ai trouvé. Je sais pas où aller, mais je veux pas savoir. Je peux pas monter? Sérieux? Are you fucking kidding me?
Mais je passe par où alors? Ah, faut que je continue à descendre. Allez, approche-toi. Allez, viens. Ah, j'ai loupé celui-là. Voilà. Ah putain! Con. Ouf. T'es peur ce con. Ils sont combien? Reste couché. Non mais dis, fini oui. Ouais c'est ça ouais, les corbeaux ouais. Ah bah je suis redescendu là c'est ça? Ouais d'accord. Bon. Eh ben du coup on va repasser par en haut. Allez, on va se la faire rapido. C'est pas par là, c'est encore étage. C'est vrai que ça serait cool quoi, voire même en multi. Et encore, non, je dis ça parce que le problème c'est que ça pourrait être cool en coop, mais les gens ils t'aident pas, ils veulent juste te baiser quoi. Donc sans être vulgaire, la nature humaine. Ah, je peux inventer plus. C'est triste quand même parce qu'on pourrait faire des méga jeux en coop et les gens, tout ce qu'ils veulent c'est te piquer des trucs quoi. L'homme est vraiment un loup pour l'homme quoi. Je me soigne. Alors attends. Pour se soigner. C'est où? Non, qu'est-ce que je vais faire? On ne se refait pas. Juste un instant, je me rappelle plus des touches. Préférences. Commande. Clavier. Lumière, briquet, journal, medic pack, c'est A. Ah ouais. Non. Pas ce que je vais faire. T'as loot. Bon, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un truc à récupérer dans la cagette ou dans la poubelle? Eh ouais, la poubelle s'ouvre. Eh, je peux rentrer à la poubelle, c'est ça? Allez, rentre. Ouais, saloperie. Sors-toi. Bien. Ouh, ça fait mal dans le nez. Tiens, un coup de pied. Et là, il y a une photo. Eh, hey, salut, c'est Justin Bieber. Hop, petit masque à gaz. Alors, ça marche bien au niveau de l'effet flippant, je trouve, quand même. C'est plutôt réussi. Le gameplay me... Je sais pas, il me branche pas autant que certains jeux, je sais pas. C'est peut-être une sorte de rigidité. Il faudrait que je fasse des lives sur Deus Ex que j'ai acheté, que j'ai commencé. Mais j'ai un petit peu du mal à m'y mettre parce que je trouve le gameplay un petit peu rigide. Et c'est assez... Enfin, je sais pas, le jeu m'attire énormément parce qu'il a, un univers qui est génial, qui est sublime. Mais... Et puis en plus, il peut arrêter la mort. C'est Chuck Norris. Mais oh là là, chaque fois que j'y joue 5 minutes et le gameplay me... J'ai du mal quoi. À la manette. Tu parles pour celui-là, pour Metro, ou tu parles pour Deus Ex?
trucs. Une jolie théière. Oui, forcément, je vois un peu tes phrases en décalé. Alors, on va avancer dans le petit parc. Ça, voilà, j'en étais sûr. Oh, c'est mignon. Ok, c'est le printemps. Attends. On va essayer la manette. Je viens de basculer à la manette. Ça commence bien. Non! Ouais, c'est bon. Putain! Je préfère rester au clavier. Je préfère rester au clavier. On va rester au clavier pour l'instant. Hein. Je vais tester peut-être un peu plus tard. La manette, quand je connaîtrai les boutons. C'est là, j'ai un peu faire de la merde en 30 secondes. Hop. Y'a rien dans la caisse. Rien dans la clim. Hop. Alors. Tac. J'apprends à être méfiant, hein. Surtout avec ces grosses bestioles là. Alcool. Et faudrait qu'un jour, je me mette enfin à Fallout. Parce que bon, tout le monde en parle. Je l'ai jamais fait, hein, j'avoue, je suis une merde. Mais alors ce côté RPG, mais j'ai pas la patience. Il vient. Aïe, il est où? Putain. Ok, je suis mort. Je me suis fait défoncer. Il est pas évident, hein, parce qu'ils attaquent toujours à 2 ou 3. Ah, c'est reparti. Il y avait le ton corps. Allez. Allez, venez. Oh putain, mais sérieux! Oh putain! Ok! Deuxième mort en 30 secondes! Alors, voyons voir. Déjà, je vais recharger. Ça sera pas mal. Eh oh les connards! Voilà. Non? Je suis en normal, je crois. Est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'ils vont obligatoirement m'attaquer? Ah putain, il m'a vu.
Je me barre. Je barre. Allez, 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 hop. Putain. Putain, mais ils sont 14. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, mourez, bande de cons. Et en plus maintenant faut que je change de filtre, mais sérieusement. Oh putain. Salut Golgotha, bon anniversaire. Je suis en train de me faire défoncer. Et je suis au début du jeu, quoi. Ouais, on s'en bat les couilles. Tiens, crève. Allez, je me casse. Franchement. Allez, hop. La fuite. Aïe, aïe, aïe. Alors. Bon. C'est une belle fuite. Ok. Ok, je sais pas par où faut que j'aille. Donc là, la porte est fermée. Alors. Tu cours, tu meurs, tu cours. Ça va, hein. C'est la boussole. Ouais. Wow. Oh putain, il a chopé. Oh le con. Ah je vole. Ok. Faut que tu montes derrière le démon vers l'immeuble. Alors. Ok, là je peux monter. Ok, il y a un trou. Merci pour le conseil. Là, il y a un piège. Non, je veux choper le piège. Voilà. Alors... Virgule la boussole, merci. C'est... Il est pas évident comme jeu. Hein. Je trouve qu'il est... Enfin, c'est pas un jeu qui est... Qui pourrait être accessible comme... Comme n'importe quel FPS... entre guillemets, à la con, quoi. Parce que bon, là, tu te démerdes un peu... niveau navigation, enfin c'est pas super super couloir.
Donc, enfin... Hop, non, hop, je suis bloqué. Tout seul, comment ça? Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Genre, le côté porte qui grince et tout. C'est assez flippant, je trouve. Hein. Ça marche bien. Hein. Ok. Ça motive. Là, il y a de l'eau. Faut pas que je touche à l'eau. Alors... Eh ben, ça file envie de visiter Moscou, en plus. Maintenant, puisqu'ils ont, ils ont interdit certains mèmes. Ça donne pas plus envie, quoi. Je sens que je vais me faire attaquer par des grosses bestioles. Hop. Et il y a un TARDIS. Ah non, c'est une toilette publique. Ah putain! M'a fait flipper le bâtard. Ouais bah écoute, pareil. Hein. Je suis content que tu t'en sois sorti. J'ai cru que t'étais cuit. C'est pas grâce à toi. Hein. On y est presque. Il reste encore une cour. Il y a une course. Pas une cour. Le filtre. On ferait mieux de bouger. Ah mais je t'attends moi, Kiki. Merde, tu les entends? Non. On va reculer un peu. Oui, reculons. Putain, tu t'occupes. Hop, ici. Alors, ouais, tu t'en occupes, je veux bien. On va changer vite fait. Hein. Allez, peut-être bien ici. Il a un putain de fusil à pompe, lui, en fait, hein. Oh là, tu crois attaquer par la gauche, toi. Oh putain, maintenant il y a des mecs qui volent. Wow, 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 wow. Allez, on se barre. Je sais pas par où il va. Wow, wow, wow. Oh putain, c'est lui. Ah. D'accord, les chauves-souris. En retournant sous terre, j'avais soudain réalisé que... Bon, je l'ai passé, je sais pas comment j'ai passé le chapitre, mais je l'ai passé. Je me sentais en sécurité. C'est assez stressant. Écoute-moi bien, les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Oh merde. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Allez, maintenant en plus il faut se la faire à la Snake. Je me souviens de cette grille. On a connu une grande histoire d'amour tous les deux. Merde, j'entre pas dedans. Bon, reste ici. Ok. Je bouge pas.
premier dedans, ça roule. Attends, attends, tu vas là. Hé, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Ok. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Mais bien sûr. Ouais, ouais. C'est bon, un Mad Max comme ça. Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. On se maille. On finira ça plus tard. Mais pas comme Rage, parce que Rage était un peu. Je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas, mais. On récupère son fusil à pompe. Alors. Je vais enlever mon masque, mais là, je peux pas. Ça, je peux pas. Prends les affaires. Va bien. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Au couteau de lancer. Alors, j'enlève le masque, ok. Bien. Comment je... Comment je me mets au couteau de lancer? Je peux pas le sélectionner, le couteau de lancer. Eh non, j'en ai pas pris. Je vais peut-être éteindre ma lampe. Ma lampe a l'air d'être éteinte. Oh, c'est une méga araignée ça. C'est quoi ce bruit? Non mais t'es sérieux là? Non j'ai pas couteau danser. Ils ont entendu en train de mettre des patates aux araignées? C'est n'importe quoi. Reste calme, camarade. C'est Nawak. Il est tout affolé. Hey, les gars, vous cherchez ce refugié. Alors attendez qu'il se calme. C'est sûrement rien. La discrétion, j'ai écrasé une araignée. Qu'il y a rien. Il y a des mecs à droite, il y a un mec à droite, un mec à gauche, c'est ça? Allez. Il y a un deuxième gars. Ils sont alertes, ils changeront pas, donc je vais les faire à l'ancienne. C'est pas comme, comme en Metal Gear ou quand ils oublient. C'est un type bien. Bon. Tiens.
C'est qui leur met des fléchettes là? Tac. Je suis métal. J'ai un coup de main là. Alors, moi j'ai quelqu'un qui fait un coup de main là. Ok. Tiens. Bon bah c'est rayé. C'est qui l'a mis des fléchettes dans les fesses là? Pas tout compris. Bon, on va récupérer un peu des trucs. Hein. C'est bien, il y a plein de trucs là. Plein de trucs à récupérer. Hop. J'ai compris le coup du coup de couteau. Ben voilà. Impossible les pubs. Devrait le savoir depuis le temps. Pensez moins fort que ça, Billy. Ok. Bon, là j'ai tout récupéré. Non, c'est bon, j'ai tout. Là, y'a rien. Non, c'est pas chaussettes. Chaussettes. Pourquoi lui il est resté comme ça? Genre gangsta. Tombe. Il a se fait caca. Non, je vais pas changer la calache contre ça. Je vais garder ma jolie calache. Alors. Deux gars qui m'ont pas attendu ici. Parce que bon, ils t'entendent d'une pièce à l'autre. Peut-être que voilà. Hop là, ninja. Putain, courant d'air. Il est où le deuxième? Il est là-bas. Il est où? Allez, merde. Là quoi? Merde toi. Hop là. Bye bye. T'es touché. Pas une grenade là? Pas une grenade, j'ai récupéré? Dommage. Eh ouais, je peux me faufiler. Alors. Ok, ça servait à que dalle. Chou là. C'est tout un labyrinthe.
sais absolument pas où je vais. Hein. Maître de l'air, c'est une terre. Ouais, pardon. Il avait rien demandé, lui. Ta mère. Hop là. Je vais me les faire un par un. Je suis comme Batman. Hop. Caché. Pom 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 pom. Et voilà. Personne. C'est bon. La mort, même pas. Vous êtes de mauvais, vous êtes des mauvaises langues, hein. Je suis passé. I'm Batman. Et là, il faut que je descende, j'ai l'impression. Oh putain. Bien. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Batman du métro. Nous ne sommes pas les voleurs, nous ne sommes pas les violeurs, nous sommes juste les listes. Ah, dommage pour bon. T'es qu'une merde. T'es en même temps. Hein. Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Je suis Maître Yoda. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bassin. Bon, allez, Khan, je ouais. Rentre à la station maudite. Lui, sage décision. Rentre à la station maudite. Ça a l'air sympa comme endroit. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits... Khan à pêche. ...que quelqu'un m'aidait depuis l'obscurité. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon... Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai pas beaucoup avancé, mais ça reste très sympa. Donc, je m'incline devant mon dieu, ouais. Il m'a un peu sauvé les miches. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, on reprendra bon, jeudi normalement pour un versus. Je vais peut-être refaire du Heroes of the Storm jeudi, ça pourrait être sympa. Et si je suis pas trop mauvais, je vais essayer de m'entraîner d'ici là. Et lundi prochain, alors soit on continue Métro, soit si j'ai un autre jeu qui arrive, ça sera un autre jeu. J'essaye d'avoir GTA pour la semaine prochaine, on verra bien. Et puis donc d'ici là, passez une bonne semaine et... Quoi, ça te gave, Heroes? Bon, bah, écoute, on verra bien, je déciderai. Ça pourrait être sympa de jouer avec les copains, surtout en fait, ça peut permettre de se marrer. D'ici là, bah, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook. Et puis... jetez un coup d'œil à la page de Challenger, et puis ça, si ça vous branche, aidez-nous à réaliser cette petite saison en web-série. Passez une bonne soirée, et puis je vais rester un peu sur le chat après la vidéo, si vous voulez blaguer, en live. A plus tard, bye bye pour ceux qui s'en vont.